partenariat est important pour promouvoir ensemble l'entrepreneuriat social, innovant, technologique auprès des jeunes Tunisiens. Et notamment, on l'évoquera tout à l'heure en rentrant dans les détails, à travers le prix Orange de l'entrepreneuriat social innovant tunisien. La deuxième édition de ce prix Orange. Alors, je vous laisserai ensuite expliquer un peu dans le détail les différentes actions de ce partenariat, les différentes actions dans le cadre et ce qu'on va faire dans le prix Orange de l'entrepreneur social. Mais je souhaitais quand même rappeler ici, encore, et c'est quelque chose que je souhaite qu'Orange continue dans le futur, c'est notre engagement d'opérateur responsable, humain, de faire du numérique, de faire de la technologie, des technologies de l'information, un axe important de progrès pour tous. Et cet engagement d'entreprise responsable, elle nous amène assez naturellement finalement à promouvoir l'entrepreneuriat à travers les technologies numériques, à travers l'innovation, à travers l'innovation sociale également. Et je pense que cet engagement, cette vision de l'utilisation des technologies au service de tous, pour promouvoir des progrès pour tous, sans laisser personne sur le bord de la route, que nous partageons avec Leïla Charpie et avec OISB. Et je suis très fier, en tant qu'Orange, de participer à cette action aujourd'hui. C'est la signature, avec la signature d'un contrat assez au début de l'action. Hein. Ce n'est pas une fin en soi, je pense que c'est important, c'est tout ce qu'on va faire. Et donc nous partageons cette même vision entre nous, et je crois que finalement, cette vision de la responsabilité de l'entreprise et du développement pour tous, nous sommes assez nombreux à la partager. Alors, en quelques minutes, nous annoncerons aussi les finalistes pour le prix Orange de l'entrepreneur 2016. C'est la seconde édition, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec pour cette seconde édition une petite évolution par rapport à l'année précédente. Puisque, avec le lauréat, un autre prix sera décerné aux femmes entrepreneurs. Parce que je pense qu'il est important, dans notre vision commune de la responsabilité sociale, de rester sensible à la notion de diversité, et en particulier dans cette situation, la diversité des genres. Voilà donc ce que je voulais dire de manière un peu globale sur le rôle considère important pour Orange Tunisie de participer à ces actions de responsabilité sociale, de promouvoir la technologie, les technologies de l'information, de promouvoir l'entrepreneuriat.